La pièce qui est présentée ici s'appelle Paysage neuf. Et donc, c'est effectivement issu d'une série d'installations que je fais où ce sont des dispositifs avec des socles et des cimaises sur lesquels des objets trouvés sont disposés. Et là, ce qui est complètement nouveau par rapport aux autres pièces de cette série, c'est qu'effectivement, les socles et les cimaises ont été peints au spray. Et je me disais qu'éventuellement, la couleur dissoluerait un petit peu la géométrie de l'installation. L'idée de voir d'abord une image d'ensemble, et ensuite, quand on traverse les socles et les cimaises, que ça se déconstruise totalement et qu'on perde l'image d'ensemble pour rentrer dans le détail. Et de fait, les objets que j'utilise, il y a beaucoup de petites choses brillantes, ou c'est lié au fétichisme des objets, effectivement. Et c'est aussi le rapport au spectateur. J'aime bien penser le spectateur dans cet espace-là. Un rapport de montage, quand il y a des gens dans l'installation et qu'on la regarde, puisqu'on passe derrière une cimaise, on disparaît, on réapparaît. Enfin, l'arpentage est aussi découpé d'une certaine manière. C'est une petite séquence, en fait. La circulation des images, c'est-à-dire qu'on part de l'impressionnisme pour aller vers le pointillisme. Les installations sont des adaptations de paysages classiques. J'aime bien l'idée qu'il y a tout un tas d'images appartenant à l'histoire de l'art ou à la culture populaire qui circulent à l'intérieur. Il y a cette idée aussi, je pense, de pulsion scopique, c'est-à-dire de vouloir voir de loin, de près, de tous les côtés, quoi. Donc l'idée de l'objet global est importante d'une certaine manière.